Bonjour à tous, ici Bobby et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, présentation du stuff de l'Eka Flip level 110. Comme vous avez pu le voir en live sur Twitch ou sur les différentes vidéos de la série 1 à 200, on a enfin monté l'Eka Flip level 110 et on en a profité pour faire sa première vraie panneau collier rush. On est en terre d'Opu. Je vous la présente tout de suite. On est en 11-6, on a 162 toc 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 de Dopu et on a 655 de force, 2773 de vita. On est en 11-6, on aurait pu être en 12-6 avec un Volcorn PA Dopu, mais je trouve que 11-6 c'est déjà très suffisant et Dragonade Amande Pourpre c'est vraiment un must have pour avoir l'ini et pour casser des têtes. Tout de suite on va au putsch, allez. Donc les techniques classiques, vous mettez la roulette, vous faites double Sengal, vous prenez déjà 5 cases. Et ensuite, vous avez 6 plus 2 et ça fait déjà 13 cases. Donc, vous pouvez rush énormément. Au niveau des dommages, hop, on va le pousser. Donc, je vais remettre la prévisualisation parce que ça sera mieux. Voilà. Au niveau des Sengal, on est sur la Sengal qui tape R, on est entre 190 et 200. Sur la Destin, on est entre 574 et 603. Donc, c'est énorme. Imaginez que sur un tour, vous pouvez utiliser 2 Sengal. Et deux destins. Pourquoi deux Sengal et deux destins? Tout simplement parce que dans le stuff que je vais vous présenter maintenant, on a l'item de classe, la cape ailée. La cape ailée qui donne moins 1 PA sur le destin des Kafib. Ça vous fait donc deux destins pour 6 PA. Donc vous pouvez mettre des destins, donc pour 6 PA, vous pouvez mettre jusqu'à 1300 de dommages. À ce level-là, quand vous voyez la vitalité, sachant que j'ai quand même beaucoup de vitalité, c'est extrêmement optimisé. En deux tours, le mec est mort. Donc, niveau du stuff, comme j'ai dit, capellé, coiffe du mulubar, on a fait un joli jet, near perf, avec une petite trans en vita. Le pang du mulubar, pareil, near perf, avec une trans en vita également. Les bottes du gorgouille, qu'on a fait en live, c'était un enfer, on a un jet perf et un over en vita. L'amulette du croquilleur, 195 en vita, donc un over. L'anneau du dragon cochon, que l'on a fait en live, un exopéa, on l'a passé nous-mêmes. Et franchement, j'en suis plutôt content parce qu'on a un très beau jet. Le Gelano PAPM Vita qu'on a depuis le début quasiment de l'aventure. La griffe rose que l'on a acheté, jet très très correct puisqu'il manque seulement 5 de force et on a 90 de vent Vita. Le Dragocart qui est jet perfant Dopu en dommage mêlé et il manque 1 de fuite et 1 de puissance. Et ensuite, Bousculeur, Culbuteur, les Remueurs Nomades et Pourpre Émeraude. Vous avez éventuellement l'option où vous mettez un Dococo, mais bon, il faut vraiment jouer en 6, c'est préférable. Donc voilà, si on se booste rapidement, hop, on met la roulette. Et là, avec la roulette, on monte à 200, 214 et 600, 639. Donc ça fait un tour énorme. On va tester sur un gros putsch, enfin sur un putsch un peu plus gros. Let's go. Donc, tour de boost, on fait ça. La Sengal, vous voyez, on traverse toute la map. Sengal, 221. Destin 642, double destin, il est mort. On va même prendre plus gros. Let's go. Hop, voilà. Donc on se booste. Double single. Voilà. Et là, une destin. Single, single, destin, destin. Voilà. Il était à combien? On lui a fait donc 671, 628, 1300, 1700. On lui a mis 1700 de dommages. Au level 110. 1700, c'est la moitié, plus de la moitié de n'importe quel personnage. Vous trouverez les plus optis, ils auront, allez, 3000 points de vie. Déjà, c'est énorme, vous en trouverez pas beaucoup. Mais donc, vous imaginez, en deux tours, le mec est mort. Sachant que il vous reste un PA pour faire ça, donc vous pouvez potentiellement mettre la roulette derrière. Ou sacrifier quelques PA, se sacrifier quelques griffes de Sengal, par exemple, pour mettre un chauffeur derrière. Donc vous voyez, c'est extrêmement fort. Vous pourrez le choper, surtout sur les maps colis, n'importe où que vous soyez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était une présentation qui vous donnera envie de le faire. C'est vraiment un régal. Vous rushez, vous tapez, c'est terminé. Voilà, c'était Bobby, j'espère que la vidéo vous a plu. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!